Bien salut à tous et à toutes, c'est TipsaTex, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau gameplay sur le tout nouveau Call of Duty Advanced Warfare. Au sniper, au morse plus précisément, un sniper avec nous. Et on va parler de 5 à 6 sujets aujourd'hui. Deux qui font mal au cul, pour moi personnellement, et pour la Tips. Et 4 où je donne mon avis sur le Call of, le sniper, le sniping et un mini RC. Alors déjà on va passer sur le premier sujet. Qu'est-ce que j'en pense de ce Call of Duty? Avis personnel, précise. Alors déjà les maps sont trop grandes, plus grandes que Ghost, et ça me pose aucun problème grâce à l'exosquelette. Je sais pas, pour un mètre tu fais 10 secondes, voilà, tu vas aller à tel point, sur tel point au milieu de la map, quoi, t'es chez toi, tu peux aller au middle, tu prends 30 secondes, bah, avec l'exosquelette t'en prends 10 même pas. Petite parenthèse, j'étais en train d'écrire un message à quelqu'un, c'est pour ça que je bougeais pas, donc je vous prie de m'excuser. Je vais faire une petite parenthèse. Les points négatifs sur ce Call of, c'est le snipe. Il n'y en a qu'un Caverou sur 4. Les trois autres, je crois que c'est le troisième. Le sniper, c'est un truc qui mitraille, il est horrible, on dirait un lance-roquette. Je peux pas supporter. Il faut aucun hit marker à part ça. Hein. Ce qui est positif. Donc personnellement, je vous conseille le morse pour la feed, qui est très 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 bon snipe. C'est incroyable d'avoir un snipe comme ça, mais bien sûr on va nous faire patcher. Hein. On sait tous que les développeurs, c'est un peu de la fiche de puterie ce qu'ils font avec le snipe. Donc je vous le conseille pour la feed, ce sniper, avant qu'il soit patché. Petite parenthèse qui va arriver maintenant, je fais un kill. Deux kills. 3 kills et boum, je meurs parce qu'on meurt trop vite dans ce jeu. Je précise aussi, c'est à peu près la même vie que Ghost en Ghost et BO2, vous voyez, et ça fait chier. Je t'ai remarqué que la feed elle est sur 5, donc maintenant il y a 5 barres de feed et que ça part depuis le haut jusqu'en bas. Au cas où, si vous vous demandez pourquoi j'ai injecté autant pourrave que ça, c'est juste que. Au début ça m'a donné un truc, vu que c'est un gameplay sur Xbox One, au début ça m'a donné un truc à propos des GT et tout, j'ai dit ok vas-y je prends. Et vu que j'arrive pas à récupérer mon ancien compte TipsaTex, donc j'ai laissé ça en attendant que je mette TipsaTex. Voilà. Sinon on va parler de l'ES. Alors l'ES, que deviendra de l'e-sniping sur ce jeu? Alors je pense que c'est mort, hein, l'ES. Déjà quand tu dois faire un V1 face à un mec au snipe, tu prends 10 minutes à le killer, quoi, cause le mec il va faire les mêmes déplacements que toi, ou le contraire, comme tu veux, en tout cas il va partir de droite à gauche et tout, c'est un peu le bordel, quoi. Donc l'ES ça sera mort je pense, et ils nous ont promis un mode où il n'y avait pas l'exosquelette. Alors déjà le mode où il n'y a pas l'exosquelette, ça sert à rien de nous dire ouais il n'y aura pas de... Ouais, ça sert à rien de nous dire ça parce que de toute façon, avec des maps autant grandes, ça nous sert à rien. Donc voilà, point positif encore, de faire un mode sans exosquelette. Sinon, t'es dans la merde, quoi. Déjà, tu galères à aller de tel point à tel point, du middle jusqu'à chez eux, en moins de 2 secondes, quoi. Alors là, tu prends une petite collate au passage qui passe même. Je crois que c'est ma première, vu que j'ai joué il n'y a pas très longtemps. Sinon, on va parler. Non, attendez. On va déjà conclure. Est-ce que ce Call of Duty est bien? Alors personnellement, je trouvais que c'est le seul point encore négatif. Je sais, il y a plein de points négatifs ou points positifs. Seul point encore négatif, c'est de loin, quand vous avez vraiment un ennemi qui est loin. Notre drone est activé. Visez le mec qui est loin, quoi, avec le snipe. Et vous êtes dessus, je vous promets, vous êtes dessus, ça sert à rien. Il faudra un petit peu viser plus au-dessus, vous voyez, pour l'avoir. Donc ce Call of Duty est bien cool, je l'adore. Voilà. Alors sinon on va parler d'un sujet qui nous est arrivé mercredi 5 novembre malheureusement. Wiz et Kairos a quitté la Tips. Pourquoi? Parce que bon, je vais vite vous en parler. Pour des histoires de gamins entre eux et moi, je sais pas, c'était un peu bizarre quand même. On a parlé un peu sur un site
réseaux sociaux, WhatsApp, je sais pas si vous. Et voilà. Ouais. On a ragé, on s'est insulté, c'est parti en couille. Notre drone est activé. À la fin, ils sont partis, mais c'est pas. Voilà. Je vais pas en dire plus. Ils avaient déjà envie de partir un petit peu avant, je crois. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais voilà. Donc ce qui va suivre, c'est comme on a. Comme il nous manque. Enfin, il nous manque. Comme on a perdu deux joueurs, quoi. Faut les remplacer. Et vendredi prochain à 18h, je dis bien à 18h pile. Ou 17h30. Moi ça m'arrange entre 16h et 18h personnellement. Je dis bien vendredi prochain, donc vendredi. Ce vendredi là, je crois qu'on est vendredi, ouais. Attendez. On est samedi, ok, je ferme ma gueule. Ce vendredi là, on est 7 novembre, donc semaine prochaine. Voilà. La petite triple une balle là qui est pas passée, ça m'a un peu dégoûté quoi. On organise un mini RC sur Xbox 360, pas sur Xbox One malheureusement, on n'a pas encore un roster officiel sur Xbox One. On organise un mini RC 360. Pour bien jouer, Sentinelle. Que vous rentrez dans la tips. Ah oui, il faut jouer au tank, bien sûr. Il faut savoir feeder, trickshoter. Il faut être soit l'un, soit l'autre. C'est comme vous voulez. L'âge, si préférence, entre 15 ans et demi et 20 ans, 21, comme vous voulez. Malheureusement, je m'excuse pour les joueurs PS3. On sait qu'il y a une bonne partie des joueurs PS3 qui nous suivent. Et je pense qu'ils aimeraient aussi rentrer dans la tips. Et on ne sait pas si plus tard, on va peut-être faire un roster PS3 avec un chef qui s'occupe de ça. Bon, plus tard, ça on sera déjà sur PS4. Enfin, il y aura déjà un truc PS4, quoi. Et nous, on sera sur Xbox One. Donc voilà. Moi, je sais pas. Match à mort par équipe. Je sais pas du tout si on va faire un roster PS4. Au petit passage, Escalini qui est en ligne, c'est un roster. C'est un joueur Disserto qui est dans. C'est un roster assez classé. Escaplan, je sais pas ce que vous connaissez, ils partent au Code Championship et tout, alors bonne chance pour les prochaines vidéos mon gars. Et stream et tout ce qui vient ensuite quoi. Sinon la tips reste-t-elle sur BO2? Alors oui, un grand oui je dirais même. Parce que vu qu'on n'est pas beaucoup à avoir un Game Capture HD sur ce Call of Duty, on n'a pas de mode studio malheureusement. Je sais pas pourquoi ils veulent pas mettre un mode studio, ça coûte rien du tout. Tu prends même le mode studio de BO2 ou MV3, tu l'installes, c'est bon, c'est fait. Mais je sais pas pourquoi ils veulent pas. Je comprends pas, c'est stupide. Donc, petite dédicace à toi, Optix, Primoz, etc. Eux, ils n'ont pas de Game Capture HD, ils vont malheureusement rester sur Black Ops 2. Donc, vous pourriez jouer avec eux et avec moi-même et les autres si vous voulez. On sera toujours disponible, vous nous envoyez un message sur Xbox One, Xbox 360, c'est comme vous voulez, on sera là, on jouera avec vous. Ne vous gênez pas, on vous attend. Donc, le gameplay touchera à sa fin bientôt. Enfin, bientôt. Mon commentaire, il touchera bientôt à sa fin. Je vous laisse sur la fin de la game avec une petite musique vocale. Je vous dis à plus. Bon après-midi ou bonne soirée les gens. C'était ATX. Peace. Thank you.
of my chest. Train my mind so I'll forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Tear me apart, watch it burn. Tear me apart. Tear me apart, watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. You make it an art, the way that you scar with every word. But